Coucou les écolos. Je suis aujourd'hui à Strasbourg, il est 14h, place de la République, pour ce que j'appelle aujourd'hui la manif pour tous. Il y a énormément, bien sûr, comme je suis à Strasbourg, de personnes qui sont venues manifester contre le grand contournement, puisque on n'a rien trouvé de mieux pour désengorger les problèmes de circulation, de recréer une nouvelle voie de circulation pour qu'il y ait encore plus de monde, encore plus de camions. Et de nouveaux bouchons probablement à d'autres endroits. Il y a également beaucoup de gens qui sont venus manifester pour la qualité de l'air, qui rejoint, n'est-ce pas, cette question du GCO. Il y a des gens un petit peu comme moi qui sont venus de façon plus générale pour défendre des causes globales. Là, il y a quelqu'un qui passe devant moi qui a un t-shirt plus chaud pour le climat. Oui, on fait qu'on soit chaud pour le climat. Voilà, plein de gens. Il y a une personne qui a un magnifique renard. Je sais pas si on le voit là-bas. Justement pour manifester contre le grand contournement, un joli petit renard qui dit on en a assez, une autoroute de plus. Voilà. Et la musique par là, on va un petit peu danser, tu veux quoi ? Si le juge administratif n'invalidait pas la réforme électorale autorisant les travaux comme... Aucune alternative, aucune solution alternative pourtant proposée, ces solutions alternatives n'ont jamais été étudiées. Et c'est quand même intéressant de voir que les médecins sont pratiquement tous contre le GCO. Et moi, je me suis mobilisé depuis un certain temps, mais surtout autour d'un élément qui m'a beaucoup choqué. C'est-à-dire qu'on a commencé à entendre que, bien sûr, le GCO, c'était pas pour diminuer les bouchons. On a commencé à dire, oui, c'est pas pour améliorer la desserte de Strasbourg, mais c'est pour améliorer l'état de santé des Strasbourgeois. Maintenant, on va suivre les deux tracteurs qui nous ouvrent la voie, sachant que deux autres tracteurs vont nous protéger. Regardez, il y a un petit chien, il y a des animaux qui sont venus aussi pour manifester. Regarde, tous les animaux, tout le monde est concerné. C'est un petit arbre, oui. Et lui, on comprend, regardez là aussi. Oui, c'est les mêmes. C'est les frères. Non, c'est les copines. Les copines. Oh, elles sont bien contentes.
attention. Ne prenez plus votre voiture et il n'y aura plus de stress. Voilà, il y a même des gens qui ont des affiches avec des slogans que je ne comprends même pas, mais je vais regarder dans le dictionnaire dès que possible. Donc là voilà, on s'est couché au sol, beaucoup de gens se sont couchés au sol. On est en train de se relever, donc voilà, c'est le sol un peu dégueulasse de Strasbourg avec tout plein de pollution. Donc voyez, on n'hésite pas à se rouler dans la pollution pour défendre la planète. Je vous dis pas, là on arrive au niveau près d'un arbre. Je pense que c'est là que les gens jettent tous les mégots, font pisser leurs chiens. Et ah oui d'ailleurs, la preuve, un mégot. On vous dit d'arrêter de jeter n'importe où vos mégots, s'il vous plaît. Ouais, donc ça n'arrête pas. Il y a une marée humaine qui continue de se déverser. Merci à vous. Continue de se déverser. Toute génération. Il y en a un qui a eu peur que sa petite fille se fasse écraser. Il a voulu assurer. Donc c'est bien. Voilà. Les vélos, transport écologique par excellence. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. C'est trop mignon! Ah, génial! Merci! Il n'y a pas de sang impur! Le sang, c'est la vie, mais il n'y a pas de sang impur! Je suis pas d'accord! Ben, c'est la Marseillaise, hein! C'est pas, on va pas changer les paroles de la Marseillaise quand même! Ah, oh, voyons! Nous étions 6000! Ouais! On était 6000! 6000 à Strasbourg! Alors après s'être couché tout par terre dans la pollution de la place Broglie, on va attendre maintenant les discours officiels de la fin de la manifestation. Et pendant ce temps-là, quelque part en France, des milliers d'oiseaux, plus de 10 000 selon les organisateurs et 150 selon la municipalité, puisqu'on est devant une mairie, se rassemblent pour aller manifester. Thank you.